Allô? 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 Oui, allô? Amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Voilà. Le direct que vous écoutez s'appelle « Je suis Manu de la vie, autant pour moi ». Bonsoir, bonsoir, bon samedi. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle, attendez, elle s'appelle les choses de la vie. Ah, les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé pour parler des choses de cette vie. Afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Comme nous le disons toujours, aucun peuple, personne ne peut, dans l'ignorance la plus totale, se développer. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur, la joie de vivre dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. C'est fort de cela que la Bible dit, la vérité vous affranchira. Donc, en déchirant le voile de l'ignorance, ça m'est bien dit d'ailleurs, la vérité vous affranchira. Partageons, je dirais, il y a quelque chose que je voudrais un peu commenter avec vous. Il y a vraiment, si je pouvais m'occuper de 20 personnes par an, je vous assure, il n'y aurait vraiment pas de problème. Hein? 20 seulement. Mais vous êtes une multitude, je dis bien une multitude, venant des quatre coins du monde. Je fais un peu pour satisfaire tout le monde. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, suscite en Afrique, suscite dans mon pays, ces enfants, ces fils qui vont t'honorer, qui vont parler, qui vont parler du mystère caché dans ta divine nature. Dieu, une fois, quand dans mes rêves, quand j'ai eu cet appel, j'ai demandé à Dieu deux choses. Première des choses, la tentation sexuelle. Père, éloigne-moi de la tentation sexuelle. Je ne voudrais pas qu'une patiente, une sœur, une de mes filles qui me contacte
parce qu'elle recherche en moi une solution, parfois morale, parfois spirituelle, parfois matérielle, un conseil, et que j'abuse, n'est-ce pas, de sa détresse. Éloigne-moi de la tentation sexuelle, de la tentation financière, matérielle. Ami mien, tu sais d'ailleurs, Dieu m'a dit, ok, j'ai compris. Je vais t'éloigner de ces choses-là. Et pour cela, je ferai en sorte que ton grenier, le grenier de ta maison ne manquera point à manger. Voilà le quoi qu'est, le quoi qu'est. Ou tu vous savez qu'actuellement là, je suis en direct, voilà ceux qui ne me suivent pas. Je suis en direct, ils m'appellent à tout moment. C'est comme ça, je n'ai plus de vie. Si vous voulez compter le nombre d'appels, quand ça va sonner, je coupe, ça sonne, je coupe. Vous allez compter. Donc, juste pour vous dire que je n'ai plus de vie, actuellement, les bengues sont dans la plage, dans la cité. Et après le direct, je suis invité. Chaque jour, je reçois des invitations. Je mange plus. Je mange plus de l'huile. Et les huiles façon l'huile rouge. Non, 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 non. Maintenant, je mange où? Après, on dit, il y a dessert, il y a ceci. Parce que les bengues sont là. Chacun veut être à mes côtés. Et moi-même aussi, je suis honoré. Après le direct là, je m'en vais voir. Hein? Je suis attendu dans un restaurant. On a dit quoi? Le restaurant, le Québécois. C'est quelque part dans la ville de Douala. Où je vais arriver manger les bonnes choses. On dit les crevettes, mais je ne mange pas les crevettes. Hein? On dit tout est là. Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est ça, le travail de Dieu. Donc, il y en a dans ce travail, surtout les dames qui sont tout le temps malmenées, maltraitées, qui sont abusés sexuellement par ces histoires de mari de nuit. C'est l'histoire d'une dame, je ne sais pas où elle est au Canada, son voisin, le voisin de son immeuble est un véritable sorcier. Chaque nuit, elle me contacte, je lui demande le scanner, j'ai dit ce monsieur va mourir, ne te fatigue pas, il va mourir. Il va mourir. Alors, je dois faire ton scanner. De ce scanner, pour voir maintenant comment il fait, qu'est-ce qu'il utilise, il passe comment. Je dis donc à la dame, fais donc la photo de ton sexe. Je n'ai pas dit de faire tout. Je ne suis pas là. Fais la photo de ton sexe. Non. Hein? Je veux voir ton sexe là. Tu filmes ça, tu m'envoies. C'est devenu un scandale. Elle dit, est-ce que vous avez une mission divine? Commencez à me parler de ces choses que je ne comprends pas. On dit, je lui ai dit, mets ta vidéo, je veux voir ceci. Non! J'ai dit, filme, je ne veux pas ta photo. Ce n'est pas une galerie de sexe, c'est pour ton traitement. Quand tu as des maladies sexuellement transmissibles, ou alors on va faire tes essais, tu vas voir le gynéco là. Il te met sur la table, tu dégages ça comme ça. Waouh! Et il entre dedans, il porte quand, il fout là. Toi, tu ne parles pas, hein? Maintenant, Manu de la vie t'a dit, filme, je n'ai pas dit de merde, filme ton sexe, je veux voir juste ton sexe. Parce que dans ça, je vais prendre, mettre dans l'eau du nez, il y a une huile essentielle que je vais mettre, et ça va me donner des révélations, et ça va me permettre de savoir si avec ce monsieur, vous avez même déjà des enfants spirituels. Il y en a même qui ont montré que le monsieur avait un double sexe. Je lui dis, je dis, le scanner dit que l'homme là, il fait ceci, fait ceci, fait ceci. Il dit, c'est vrai, on dirait que vous étiez avec moi. Maintenant, je lui demande, elle m'envoie tout un long message. Je croyais en vous. Est-ce que vous avez une mission divine? Mais vraiment, je n'ai même pas eu le courage même de lui répondre. Je sais même comment il veut faire pour lui rembourser son agent de scanner. Vraiment, je ne vous comprends pas les gens. Hein? Je comprends même pourquoi vous êtes même, parfois même le mal vous vous atteint même jusqu'à ce niveau-là. Parce que vous êtes incrédule dans vous-même là. Et vous ne croyez à rien. C'est seulement, oui, il y a un monsieur qui fait les directs. Non, je peux trouver mon salut. Il va faire ça, il va faire non. Après ça, vaut que vie même. Après, vaut que ma vie ne donne pas. Parce que toi-même, tu ne donnes pas la vie. Qu'est-ce que tu donnes pour que la vie te donne? Tu ne donnes rien à la vie. Voilà, c'est devenu problème. Est-ce que vous avez une mission divine? Est-ce que ceci? Est-ce que ceci? Je crois au départ que vous êtes un homme de Dieu. Et que moi, je ne suis pas un homme de Dieu, hein? Je ne suis pas homme de Dieu, vos hommes de Dieu sont dans les églises les dimanches. Excellence du voile de l'ignorance. C'est pas la même personne, c'est comme ça toute ma vie. Ça sonne seulement, ça sonne.
Donc, c'était juste une parenthèse. Au même moment, je reçois des témoignages. J'ai parlé ici du sucre roux avec un tissu vert. Il y a une dame qui m'a appelé du Burkina Faso pour dire, monsieur, je viendrai m'agenouiller, je viendrai me prosterner, je viendrai au Cameroun vous dire merci. Parce que si je vous envoie une offrande, c'est petit. J'ai dit, madame, il y a quoi? Elle dit, prêt bancaire, mais on m'a donné un dossier qui était classé. Le dossier, j'ai eu l'argent en espèces. Il y en a qu'on donne, et quoi que nous on donne pour donner. L'argent est la chose la plus facile à avoir. C'est un esprit. Et quand tu es connecté à cet esprit, l'argent vient. C'est-à-dire, l'argent te chicote. Et maintenant, les mauvaises langues vont dire, ah, il a crampé, il a entré dans ceci. Parce que tu ne maîtrises pas le mystère. Elle a fait ça, je lui avais dit, j'ai fait le direct pour ça. Tu suivais avec le sucre au port, tu vois pas? C'est pas une histoire de dire que va à l'église ou bien va ceci. Non. Expérimente. Elle a fait, elle a eu son résultat. Je voudrais parler ce soir, je vais parler de comment, à la fin du direct, j'en ai pour 45 minutes et pas plus, parce qu'on m'attend quelque part. Je suis habillé grâce à cette tenue-là, c'est ma fille Valval. Elle est quelque part où c'est en Arabie Saoudite, elle est où? C'est elle qui m'avait envoyé ça. Ça fait plus d'un an. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Valval, hein? Les pensées positives, là, l'univers va te rendre ça au sanctuaire. Mais pour m'avoir habillé, Dieu va t'habiller. Voilà. Donc, amis, bien d'ici, d'ailleurs, partageons le direct. Jusqu'ici, on n'a pas atteint 500 directs. Quand le direct d'hier, c'était hier, oui. Nous étions à 253 directs, partage vers la fin. Bon, ça viendra. Donc, ce soir, la plaine lune a commencé depuis hier. De comment, hier, quand elle s'est mise à parler à la pleine lune, elle est tombée en transe. Elle est tombée en transe. Elle m'a tendu, je crois, bien de 10 000 francs pour me dire merci, monsieur. Parce que depuis que j'ai fait, l'eau lunaire est en train de sauver ma maman. Ce sont ses propres propos. Et de sur quoi sa maman m'a envoyé une pommade. Je ne vais pas parler de cette pommade-là. Composée de la graisse du lion. Parce qu'elle a appris que... Je ne parle pas de ça. Dites merci à la maman de ma part. Que Dieu te bénisse, ma grande. Voilà. Coucou, Capto est compté. Coucou, depuis Dakar. Voilà. Oh, Dakar! Avant le 25, vous serez, parce que je vais lundi dans une compagnie aérienne, j'ai 23 kilos de kits que je vais envoyer. Donc à partir de lundi, je vous dirai quand et précisément Dakar sera inondé. Alors, l'eau lunaire fait ses merveilles. Je vais un peu parler de pouvoir. Non seulement de la pleine lune et de ses pouvoirs magiques, de deux rituels à faire à chaque pleine lune. Et le mystère n'est-ce pas caché dans l'eau magnétisée lunaire. Pour finir, quand vous êtes, vous découvrez qu'il y a un grillage déposé devant votre maison, de votre lieu de commerce, ne paniquez plus. Ne paniquez plus. Je vais parler de ça. Il y a une de mes soeurs, une de mes filles qui me suit, qui est en République démocratique du Congo, qui est venue. Il se trouve que toute sa maison, toute la maison est entourée des véritables sorciers. D'abord, le locataire qui occupe leur maison est un sorcier. À gauche, à droite, à l'est. Donc, tous ceux qui habitent dans leur maison, là, il n'y a pas de paix. Donc, elle-même, elle est venue. Et comme c'est une guerrière du Saint-Esprit, elle a dit, je ne peux pas venir comme ça, je ne pourrai pas voir mon papa. Elle est venue me voir, je lui ai donné l'encens qui chasse toute négativité, je lui ai donné l'eau lunaire, je lui ai donné l'encens yod, je lui ai encore donné quoi là? Je lui ai donné un talisman de protection. Je lui ai dit, quand tu rentres là, il faut brûler l'encens. Ouvre les fenêtres, ferme les portes, ouvre, brûle l'encens même jusqu'à 23 heures. Elle ne fait que brûler l'encens qui chasse toute négativité, je vous assure. Elle m'a appelé ce matin pour me dire, papa, c'est grave. C'est grave.
Papa, c'est grave. Tous les voisins se sont mis à parler à l'arbre. Ah, papa, ah, papa, papa, c'est là, venu faire quoi? J'ai dit, ça étouffe. Elle ne fait que brûler. Ça étouffe. Un pauvre, non. Vous pouvez venir frapper à la porte? Non. Personne n'a dormi. Elle dit, hé, hey, papa, non. Non. Affaire là. Sans qu'il soit tout négatif. Tu as un voisin qui est nuisible. Non, 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 ne te fatigue pas. Brûle. S'il a pu supporter l'odeur de ça là. Toi qui n'as rien sur toi, ton ventre est propre là. Tu peux supporter. Ça étouffe, ça t'écrangle. Quand tu es négatif là, ça t'écrangle seulement. Il ne peut pas. Et comme c'est dans l'air, il va faire comment? Amis miens d'ici et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse pour tout, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien et rien et rien ne trouble jamais votre paix intérieure. L'univers, le ciel nous envoie depuis hier la pleine lune. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir au cimetière. La pleine lune, la lune est là, la mère lune est là. Elle dit, vous, mes enfants, me voici, venez. Venez vous ressourcer, venez, je vous attends. Allez lui parler. Elle est là, peut-être depuis ce soir-là, elle est là. Comme ça, pendant 7 jours, jusqu'au 19. Le mois d'août est un mois extrêmement. Je dis, c'est le mois de l'amour, le mois d'août là. Il y a un rituel que l'on fait au mois d'août, une fois dans l'année. Du mois d'août 2022 au mois d'août 2023, l'argent ne te manquera point. Ceux qui sont les membres des élus du groupe ont déjà la recette. Je m'agenouille, je vous en prie beaucoup. Faites ce rituel que j'ai envoyé là. Je vous demande pardon. Parce que je sais que si ça va chez vous, ça ira aussi chez moi. Problème d'argent infini dans votre vie jusqu'en août 2023. Je vous en prie. Je voudrais parler ici. C'est ça, on dit être un élu. Parce qu'il y a l'enseignement pour la masse et l'enseignement pour. C'est tout. Dans toutes les religions, dans toutes. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Un guide spirituel, c'est normal, c'est comme ça. Jésus, devant la foule, parlait en parabole. Matthieu lui a demandé, mais pourquoi, mais quand tu es toujours en parabole, toute partie dans tout. Toute la Bible, quand vous voyez en vérité, trois fois, ce qui sur les côtés. Prenez la Bible. Quand Jésus, l'évangile de tout le Nouveau Testament, partout où Jésus dit en vérité, en vérité, en vérité, tout ce qui vient là, c'est collé. C'est collé. Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. Matthieu lui a demandé, il dit, laisse, il y a l'enseignement pour la masse, il y a l'enseignement pour les élus. C'est normal, c'est depuis la création de la terre. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune. Qu'est-ce que deux importants rituels pour ceux qui sont malades, qui ont des maladies qu'on peut dire mystiques. Tu es allé. Il y a une dame qui m'a appelé, je ne sais pas, de Guadeloupe. Je crois qu'elle vit à Londres. Sa fille est gravement malade. Madame, c'est à cause de toi que j'ai décidé de parler de ça, de cette recette ce soir. Comme elle, là, il y en a beaucoup. Vos enfants, on dit les enfants autistes, des ces mots que nous ne connaissons pas. Enfants autistes. Ils ont des gros mots. Enfants autistes. Enfants autistes. Autistes. Il y aura Matisse, Dissis, Sissis. Tous ces noms-là. Vraiment. Oh. Les maladies que nous autres, là, on n'a pas connues. Alors. Le bain, la recette, si c'est pour des personnes qui sont malades, dont la maladie est jugée mystique, la pleine lune va te guérir. C'est une guérison miraculeuse. J'ai reçu déjà près de 8 pasteurs. Ce n'est pas que je me vante, c'est la lune, ce n'est pas moi. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout. Je ne voulais pas, il y a un enfant, comment il s'appelle même là? Depuis plus de 2 ans, l'enfant dort les nuits, soit agité. Couche de nuit, on le tourne sur le lit. Sa maman me suit beaucoup, elle est en Europe là-bas.
Sa maman a demandé à son fils, viens voir, va voir le monsieur là. Si tu as pu le rencontrer, sache que tes nuits agitées là sont finies. Demande-lui, dis-lui que tu souffres et que tu veux faire ton scanner. Et comme la maman connaît la loi, l'enfant en venant là, c'était les oranges. Pas quand quelqu'un vient vers moi avec les mains chargées. Non! Ton problème à 90% est résolu. Mais il y en a qui viennent comme ça. Rien. Maman Manou, ça va, Maman Manou, je suis malade. Tu ne me donnes pas quelque chose. Moi, j'ai ri. Je dis, je vais te donner quoi? Tu as donné quoi pour qu'on te donne? J'ai dit, non, il n'y a rien à te donner prochainement. Tu sors de nous. Alors qu'un morceau de sucre que tu gardes, je te donne tout. Sur moi, il n'y a pas quelque chose que je vais te donner en dehors de l'eau lumière. Que je vais te donner qui n'a pas une valeur de 10 euros. Ah, ça commande d'ailleurs pas 10 euros. Tout ce que je veux dire, même ma bénédiction est payée. Hey. L'enfant a pris les encens, j'ai dit, va buer. Bue d'abord ça. Je lui ai donné peut-être trois éléments. Bue d'abord ça. Il dit, pour sa toute première fois depuis quelques années, l'enfant est en train de dormir bien. C'est l'ignorance. Cela profite de votre ignorance. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie. C'est de votre ignorance. Tu dors, tu ne bues pas les encens, tu ne fais pas ceci, il n'y a pas de bain, la pleine lune sort, tu ne profites pas, tu ne connais pas les mystères du sel, j'aime, de l'eau magnétique. Tout ça, ils profitent et ils vous torturent la vie. Mais tous vos problèmes seront résolus. Heureux ceux qui sont dans le groupe des élus. Vous ne manquerez rien. Sa Majesté est connectée. Voilà. C'est de ça. Donc, nous sommes en pleine lune depuis hier. C'est une guérison miraculeuse. Et ce bain se fait pendant la pleine lune. Ça a commencé hier et ça finit. Hier, c'était quand là? Nous sommes le 13. Hier était le 12. La pleine lune va finir le 19. C'est une semaine. Dès le 20. Samedi le 20. Aïe, 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 aïe. Mettez vos cravats, hein. Pour ceux qui veulent enlever des maladies mystiques, enlever tout ce qui est négatif. Dès le samedi, là, la lune commence à être décroissante. Donc, c'est le moment, c'est la période la plus favorable pour enlever tout ce qui est négatif sur vous. Donc, ami bien dit, c'est d'ailleurs ce bain hein, d'une importance capitale se fait pendant la pleine lune. Vous pouvez le faire aujourd'hui. C'est un jour très favorable. Voilà, pendant les 7 jours. Mais il vous faut ces ingrédients. Il vous faut le sel germe. Vous savez ce qu'on appelle le camoua au Cameroun. En Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, on appelle ça la potasse. Quand vous voulez cuire le haricot, surtout le haricot rouge là, ça dure au feu. Donc on prend la potasse, on met pour accélérer, hein, pour faire en sorte que le haricot, voilà. Donc, il vous faut le 16e. Je ferai un direct spécial sur le 16e. Le mystère caché, hein. Le 16e, pour ceux qui ont des nuits agitées dans chaque point de votre maison, faites toujours un effort de mettre le 16e sur une sous-tasse. Après une semaine, vous renouvelez. Voilà, vous renouvelez. Ça vous protège. Et vous allez voir quand vous mettez une semaine après, ça change de couleur. Parce que ça a absorbé, c'est un catalyseur de mauvaise énergie. Ça a absorbé les mauvaises énergies. C'est très important. C'est le monde. Bien, notre problème est que nous n'avons pas de regard sur notre monde spirituel. Voilà pourquoi on souffre sur nos mots que le monde est visible. Vous voyez? Donc, il vous faut ça. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. La pluie est en train de. Il y a la pluie dehors. Avec ça, le ciel. Ouais, le ciel est nuagé. Le scanner devient aussi difficile. On va faire comment? Dans ça, vous allez dire non, ça fait ceci. Il va faire comment? J'encaisse tout. Je suis comme la mer. Donc, il vous faut le sel germe. Il vous faut quelques feuilles de basilic, vous connaissez bien. Et même pour les femmes enceintes, dès lors que tu es enceinte, ma soeur, basilic ne doit pas te manquer. Ah, basilic là, il faut toujours avoir ça. Toujours vous qui enceintez les polygames là. Basilic, quand la femme tombe enceinte, promet des choses pour protéger la grossesse. Feuilles de basilic, il y a les feuilles de la plante là d'ouest. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, basilic, il vous faut ça, ça fait deux. Il vous faut la cannelle en poudre. Il vous faut du gingembre naturel. Vous savez aussi que le gingembre, c'est comme, comment on appelle ça? Bon, ce n'est pas le but du gingembre aujourd'hui. Il vous faut l'ail et il vous faut de l'eau magnétisée lunaire. Donc, je reprends. Il faut le sel gingembre,
il faut quelques feuilles, n'est-ce pas, de basilic, il vous faut de la cannelle en poudre, il vous faut du gingembre naturel, il vous faut de l'ail, il vous faut, n'est-ce pas, de l'eau maïtisée. Donc, ça fait 6 éléments et un seau neuf. Voilà, un seau neuf dans lequel vous allez mettre de l'eau chaude et quelques gouttes, n'est-ce pas, de l'eau lunaire. Voilà, quelques gouttes de l'eau lunaire pour activer, pour magnétiser cette eau-là. Voilà. Maintenant, il vous faut quelques 7 gousses d'ail. Dans l'ail, là, il faut 7 gousses d'ail. 7 gousses d'ail. Les dés, vous avez épluché. Une gousse d'ail. Voici une gousse d'ail. Parce que beaucoup confondent gousse d'ail à ce qu'on appelle quoi, là, bulbe d'ail. Ça, c'est. Voilà. Voilà. 7 gousses d'ail. Voilà, gousse d'ail. Voilà, gousse. Gousse. Hein? Toujours avoir ça sur vous. Ça, petit truc comme ça que vous voyez là. Très puissant. L'enfant va aller à l'école. Tu prends une gousse d'ail comme ça là. Tu mets dans sa tenue. Surtout dans sa poche gauche. Tu crois que c'est un acte banal. Parce que même la sorcellerie, la vraie sorcellerie commence là-bas. Il y a des enfants dans des écoles qui tombent en transe. Le tien ne tombera pas en transe si la gousse d'ail est dans sa poche. Et quand il rentre le soir, il y a des enfants même qui sont déjà habitués. Surtout vous, les enfants qui sont de l'autre côté, en Occident, là. Et ils ont l'air où c'est quoi, et dans leur tête, on dit, on t'a passé l'enfant. L'enfant est zéré, hein. T'as pas chez moi. Non, ils sont que chicotent ton propre piment où ils ont mis sur toi. Il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. C'est ça l'Afrique. Donc, il vous faut cette boule d'ail épluchée. Donc, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau, tu enlèves la peau. Et 14 feuilles de basilic, 14, donc basilic là, 14 feuilles de la plante qu'on appelle basilic, 4 morceaux de gingembre, et quoi encore, et 4 morceaux de gingembre, il y a encore quoi, et une poignée de sel gingembre. Je reprends, pour réaliser cette guérison miraculeuse, il vous faut de l'eau, une goutte d'eau. Lunaire suffit. Une goutte d'eau lunaire suffit. Première des choses. Il vous faut de l'eau chaude. Il vous faut un seau neuf. Il vous faut 7 gousses d'ail épluchées. Il vous faut 14 feuilles de basilic. Il vous faut 4, disons, morceaux ou tranches de gingembre en petits morceaux. Et une poignée, n'est-ce pas, de gingembre. Formulez vos voeux de guérison, de santé, de chance et de réussite sur. Le seau, parce que c'est dans le seau où il y a tout cela. Alors, première des choses, vous devez être en caleçon pour parler. Le mot, c'est une cellule. Par exemple, on dit Sili, même la main, grand main qui est au village, là, on ne connaît pas ce qu'on appelle Sili. On dit caleçon. Il te faut avoir un caleçon neuf, hein, de couleur blanche, qui renvoie à votre pureté, à votre guérison. Voilà. Donc, un caleçon de couleur blanche. Et ce caleçon, vous devez le jeter après le bain. Vous ne devez plus jamais porter ce caleçon blanc. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, à l'aide de votre main droite, donc ça veut dire ce soir-là, si tu peux réunir ces trois éléments, ces, disons, 7 éléments, voilà, avec ton caleçon blanc, tu te mets nu comme ta maman t'a accouché. Et tu prends le caleçon blanc là, tu portes. Les make-up n'ont pas leur place. Les piercings ou les massings ou les taxings que vous permettez, enlevez tout, aucun métal sur vous. Voilà. Donc, tu portes ton caleçon blanc, rien en dehors du caleçon blanc. Maintenant, avec ta main droite, tu vas ramasser, tu vas prendre de l'eau et tu vas te rincer 3 fois de suite du côté gauche de votre corps à partir de votre épaule. Ici, à partir de votre épaule, vous descendez hein, jusqu'au pied. Et quand vous le faites, vous dites ceci, je suis purifié, ainsi soit-il, ou amen, ou homme, c'est la même chose. Je suis purifié, amen, voilà, je suis purifié, amen, je suis purifié, amen. Le roi David dit dans le psaume 51, lave-moi avec les eaux, je serai pur. Donc ça veut dire que pour être pur, la prière ne peut jamais rendre quelqu'un pur. Il n'y a pas une prière qui rend quelqu'un pur. Il n'y a que les éléments de la divine nature qui peuvent, n'est-ce pas, vous rendre pur. Qu'on ne vous prend pas. Voilà le véritable problème. On dit non, on reçoit au nom du Saint-Esprit. Oui,
On ne peut chasser l'esprit que par le Saint-Esprit, ça d'accord. Mais quelque chose qui est sale doit être lavé. Le roi David dit, lave-moi, lave bien ma belle, il faut l'eau. Pour laver quelqu'un, il faut l'eau forcément. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Par la prière, on va dire non, il est pur, on lave. Non, non, non. On peut chasser un démon, on peut chasser un mauvais esprit par la prière. Ça, je suis d'accord. Mais quand on est sale, quand l'aura est sale, quand nos corps subtils sont obstrués et sales, ce n'est que pas des peines. Ce n'est que pas des peines ou pas des encens, pas des fumigations. Donc on peut rendre ce corps, n'est-ce pas, pur. Aucune prière ne peut rendre quelque chose de plus pur. Ce n'est pas possible. Amis bien tissés d'ailleurs. Voilà. Voilà pourquoi il y en a des porteuses, des personnes porteuses de mauvaises énergies. Et je crois que sur le simple fait, on leur a dit que non, reçoit le Saint-Esprit, quoi que non. Non, ils ne sont pas regardants sur leur corps subtil. Ils ne sont pas, vous voyez, c'est la première, hein, ils sont obligés de parler à moi ou de voir. Ils pleurent abondamment, ils ne savent même pas. Et ma fille, il faudra que tu m'envoies un taxi hein, pour venir me chercher. Ah, c'est vrai que j'aime la pluie, mais cette pluie-là, vraiment, c'est pas bien. Donc, troisième étape, vous avez la deuxième étape. Vous prenez de l'eau par vos mains, droite, pour laver, pour votre, voilà, la partie, le côté gauche de votre corps, en commençant par l'épaule. Voilà, vous lavez jusqu'au pied. L'eau, pour ramasser l'eau, pour rincer trois fois de suite le côté droit hein, de votre corps, à partir toujours de votre épaule, et en disant la même chose pendant le rinçage. Je suis purifié, ainsi soit-il. Je suis purifié, ainsi soit-il. Maintenant, l'étape suivante, vous rincez sept fois votre tête avec la même eau là. Vous prenez l'eau là. Vous rincez votre tête sept fois. Vous prenez sept fois. Hein? Et pendant le rinçage de la tête, vous dites, par votre grâce, mon Dieu, j'ai la chance, la réussite dans toute entreprise, ainsi soit-il. Voilà l'étape là. Maintenant, dernière étape, c'est de prendre cette eau pour rincer tout votre corps avec le reste de l'eau là. Et dernière étape maintenant, vous laissez cette eau sécher sur vous hein, et vous balayez les résidus parce qu'il y aura les l'ail, les tout ça là hein, qui vont traîner. Vous ramassez tout ça pour jeter dans la poubelle ainsi que le caleçon que tu avais porté. Et si tu peux, si tu as un tissu de couleur blanche, hein, jamais utilisé, ou bien paille de couleur blanche, jamais utilisé, tu portes séché sur toi, ami bien tissé d'ailleurs. Oh mon Dieu, la guérison sera incroyable, une guérison miraculeuse. Et elle est encore tellement puissante si vous le faites à l'air libre. Ça veut dire que vous avez peut-être une terrasse qui donne à l'air libre. Soit vous avez une cour. Donc, c'est des trucs que vous devez faire quand la nuit est tombée, surtout en ce moment, 21h, 22h. Voilà. Généralement, 21h. Voilà. Si vous avez une barrière, une villa, vous fermez la barrière, vous faites. Et la position, la meilleure position, vous faites en regardant l'est. En regardant l'est. Donc, quand vous faites votre bain là, il faut regarder l'est. Et vous pouvez également hein, agrémenter la chose. Avant, dans le bain, vous purifiez le lieu avec l'encens rouge. Maintenant, pendant le bain, vous pouvez allumer deux bougies blanches, c'est-à-dire un pilier à gauche, le pilier à droite, deux bougies blanches au milieu. Aïe, 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 aïe. Et pour encore exciter les anges, pour dire à la même lune que c'est toi qui es là, c'est toi qui occupe, tu prends donc la bougie là. Hein? Tu fais quoi? Tu prends le miel pur. Hein, le miel pur. Voilà. Pour enduire hein, sur la bougie. Et comme c'est quelque chose de négatif que vous voulez dégager, la bougie étant comme ça, voici la tête la tête de la bougie ici sur le pied. Donc, vous prenez dans le miel avec vos deux doigts. Hein, vous prenez le miel pour mettre ça partout, enduire hein, partout sur la bougie. Parce que du bas vers le haut, vous enlevez la négativité. Là, quand c'est comme ça, la bougie allumée, après le rituel, vous laissez la bougie allumée. Hii! Aïe, 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 aïe. Et c'est grave. Oh, je viens de recevoir une bonne nouvelle. Oh. Aïe, 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 aïe.
Une de mes filles vient de me dire que son mari, après le rituel qu'elle a fait vendredi, monsieur vient de décider de l'épouser. Hein? Oui? Oh! Ah non, je suis gâté. On va faire comment? L'ignorance. On souffre parce que nous sommes des ignorants. Alors, ça c'est pour que des raisons miraculeuses. Il y a des enfants autistes. Des pieds malades, des ceci, la mère lune est là. Lorsqu'elle est pleine, c'est pour vous. Après, ça, je vais savoir. Ceux de ces enfants qui vont lui adresser la prière, qui vont la contacter, ceux-là seront satisfaits. Les ignorants vont rester dans leur coin. Rester, ça s'arrête là. Non, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. On avance. Alors, donc chaque pleine lune, vous pouvez faire cet exercice chaque soir. Ah oui, pour maximiser vos chances, n'est-ce pas, de guérison. Trop de viande dans la sauce. Trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. La mère lune est là. Quand elle va sortir, dès vendredi, elle vous dit, bye bye, voilà, je ne suis plus pleine, je m'en vais, je dis quoi pour chercher maintenant la nouvelle lune. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le direct parce que je vais demander ça sans partage vers la fin. Alors, pendant la pleine lune, vous pouvez réaliser deux vœux dans le domaine sentimental. Ça, je m'adresse aux femmes qui pleurent. Papa, maman, mon mari a fait ceci. Dieu vous a donné. Tout pouvoir vous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait ça. Il dit, je t'ai donné tout pouvoir. Donc tu m'appelles encore Dieu. Non, il va te dire vraiment là. Va écouter papa Manu. C'est moi, tu m'amènes avec tes petites prières, tes petits problèmes. Tout pouvoir nous a été donné. Tu marcheras sur les scorpions et les serpents. L'argent sera Dieu. Il dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts m'ont combattu. Voilà quoi que. Ça fait longtemps, monsieur Kwake. Voilà ça. Dieu. Ouais, j'ai oublié le vœu que l'épouse d'un ambassadeur m'a envoyé. Trois bouteilles de vin. Vers la sort de l'Europe, hein. Il dit, papa, tu dois boire ça parce que tu le mérites. Je vais faire pourquoi. Qui donne reçoit, tu donnes plus, tu recevras plus. Je voulais également vous rappeler qu'à la fin du mois, nous allons visiter un orphelinat. C'est la rentrée scolaire au mois de septembre. Autant vous avez le souci, comment vous allez inscrire vos enfants dans les différentes écoles et que tout, autant vous devez avoir une pensée, je peux dire, même pas pieuse, vous devez avoir une pensée, une pensée d'assistance à ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Un cahier, c'est beaucoup. Ce n'est pas pour moi. Tu ne le fais pas. Dieu m'a béni. Avant que je ne prenne le micro pour dire je parle de ta part, je lui ai dit tu ne me bénis pas, je ne parle pas. Je ne veux pas parler, après ça je cherche à manger. Non. Il m'a dit ok. Voilà. Mais là, je n'avais pas lu le contrat. Avant de signer, je n'avais pas lu le contrat. Donc, à lui-même d'ici d'ailleurs, le soir de chaque pleine lune est un moment favorable pour réaliser vos voeux dans le domaine sentimental. Votre couple bat des ailes. J'ai déjà donné plein de recettes. C'est-à-dire, à chaque phase de chaque cycle, chaque phase, n'est-ce pas, du cycle lunaire, il y a des bonnes choses à faire. Il y a des choses. La divine nature vous donne tout pendant la nouvelle lune, pendant la lune croissante, pendant la pleine lune, pendant la lune décroissante. Tout ça là, il y a toujours quelque chose de rituel à faire pour améliorer votre quotidien. Amélien d'ici d'ailleurs. Donc, vous prenez un verre, vous remplissez ce verre d'eau naturelle. Et ça peut être une eau de source, une eau qui coûte, une eau, n'est-ce pas, d'un puits qui est propre, une eau, n'est-ce pas, d'une rivière qui est propre, d'un coup d'eau qui est propre, l'eau de pluie, comme actuellement il pleut là. L'eau de pluie recueillie directement du ciel a des vertus magiques. Voilà, vous prenez cette eau. Il vous faut le sel gros grain. Voilà le sel de l'Himalaya. Comme vous voyez. Le gros sel rose de l'Himalaya. Un jour, je vous parlerai de l'Himalaya.
Son histoire et l'Himalaya, là, c'est ce mot-là. Il faut qu'un jour qu'on parle de ça. Donc, il vous faut le sel gros grain. Et voilà. Maintenant, vous prenez quoi pincer? Vous prenez quoi pincer, n'est-ce pas, du sel gros grain? Vous mettez dans le verre contenant votre eau. Et vous déposez, n'est-ce pas, ce verre au repos dans votre chambre, dans un coin calme où les enfants ne peuvent pas. Parce qu'il y a aussi des maisons, même s'il n'y a pas d'enfants, il y a des souris. Des souris trop dangereuses. J'ai déjà donné la recette pour chasser vos souris, des souris, les souris vampires qui vous fatiguent. Dans un verre, vous mettez le sel, et le citron. Verre. Le tout est juste, rempli d'eau. Donc vous déposez ce verre quelque part et vous formulez vos voeux, n'est-ce pas, dans le domaine sentimental. Ah, mon mari me fatigue beaucoup. Mon mari me fatigue beaucoup. Je veux qu'il cesse. Hein, je veux ceci. Ou bien je veux rencontrer mon âme sœur. Ou bien je veux me marier. Ou bien. Voilà. C'est tout. Vous prenez donc ce verre. Ça reste dans un coin calme, n'est-ce pas, de votre chambre. Parce que la chambre est un sanctuaire. Votre chambre est un lieu sacré. Ce n'est pas n'importe qui entre dans votre chambre. Évitez que n'importe qui entre dans votre chambre. Surtout en entrant avec les chaussures bizarres. Hein. Non, même dans votre maison, évitez que les gens entrent avec les chaussures. Ah oui, hein? Ah oui! C'est pourquoi, avant l'argent est bien. Le boss a prévu qu'il a un petit salon pour recevoir les visiteurs. Il y a une terrasse pour recevoir les visiteurs. Si tu n'es pas tellement important, lui-même, s'il n'est pas rassuré que quand tu sors de chez toi, de la maison, là, tu entres dans la voiture, tout ce que tu fais, c'est d'aller au parking. Hein, bah, le chauffeur te prend, tu viens chez lui. Mais si c'est les gens, des visiteurs qui entrent dans les marchés avec la boue pour venir, non, il faut enlever la chaussure. Dans certains pays, même tu dois même les laver. Chez les Arabes, c'est proscrit. L'Arabe, même pour aller dans les douches, il a les babouches pour les douches. Tu ne peux pas, autant que tu n'entres pas dans une mosquée avec tes chaussures, Dieu, on souffre. Église souffre. Oh, quelqu'un sort du marché central, quelqu'un sort du marché pour avec la peau, pou. Il entre dans le temple de Dieu avec tout ça. Ah, Dieu là, maman. Non, Dieu là, nous aime vraiment. Même dans les rites traditionnels, pour aller parler aux ancêtres, s'il y a tous tes rites, on n'aime pas n'importe comment. C'est préparé. Les ritualistes traditionnels vous préparent pour parler à vos ancêtres. Maintenant, c'est que la pièce qu'à chacun fait comme il veut. Tu vois, il y en a qui mettent mes codes jusqu'ici. Il y en a. Église. Oh non. Non, l'église, non. Vous êtes doux. Quelqu'un qui l'a imaginé pour dans ça, là, les crachats où il a piétiné, il vient entrer dans le temple de Dieu, avec les égarés, les soucis bizarres, les rocassins, les pontinini, les MS, les Emma, Dieu. Donc maintenant, avec les perruques d'origine humaine, ça tente jusqu'ici, des portables iPhone 222, église. Pendant que le pasteur parle, elle est là, les hommes sont. Le verset, ti. Quand il y a Alléluia, il y a aussi la main. Les ongles sont, tout est fatigué, mais comme ici, et perdu sur la tête. Hii! Non, vous savez vous tromper vous-même. Vous croyez que vous trompez Dieu? Non! Il dit, regardez-moi, c'est là. Oh Dieu! Quand il vous a Dieu rit, il dit, bon, débrouillez-vous aussi dans ça aussi, un peu, voix claire. Après, il y a. La grosse Bible est comme ça dans la main. Ils tiennent maintenant, ils entrent dans un bac. Ils déposent ça sur un comptoir. Mon gars, envoie-nous des biens là. Ils sont en train de voir. Livre 7 dans un bac, dans un bac. Ah, non. Vous savez, vous êtes vraiment connecté. Et dans ça, après ça, ma vie n'est pas où. Ça va pas où. Mais tu fais quoi? Tu crois que c'est aller chaque dimanche à l'église qui fait quelque chose? Non. Ça ne sait pas ça, hein? Dans quelles conditions? Musulman, avant d'aller à la prière, faire l'ablution. Il se dit, l'eau là, je vais moi laver les petits trucs, les déchets, l'eau va me purifier. Il lave dans les oreilles, les narines, il lave les pieds. Avant d'aller,
chercher Dieu. Il n'entre pas dans sa maison, dans la maison de Dieu avec ses chaussures. Jamais. Il n'entre pas. Et il y a une tenue comme celle-ci-là. C'est nous, on prend, on a n'importe comment. La femme est voilée. Elle ne prie pas n'importe, elle est guerrière. On dit quand elle est en règle, elle n'entre pas dans la mosquée. L'imam, quand il prie, il regarde, tous regardent l'aise. Quand il veut parler, ou comment ceci, c'est pas bon de voler tout et tout. Il prêche. Il regarde ses fidèles musulmans. Maintenant, quand il faut maintenant prier, l'heure de prière arrive là, bam, tout le monde positionne de l'aise. Dans les églises, c'est le contraire. Seul, soit le prêtre ou le pasteur, regarde l'aise. Les autres hommes vont tourner à l'aise. Après demain, non, ma vie ne dort pas. Et après, on me dit non. Et Jésus a tout payé sur la croix. Mais le changement est où maintenant? Si vous avez, il a tout payé sur la croix. Notre vie est une vie de misère. Ça veut donc dire, en résumé, nous ne sommes pas connectés au bon Dieu. C'est tout. Cherche la religion de tes pères. Cherche les pratiques de tes pères, de tes aïeux. Amen, bien dit, c'est d'ailleurs. De ça, là, je parle. Nos ancêtres connaissaient la lune. Ils parlaient à la lune. Il parlait à la lune. Donc, une fois que vous avez déposé dans votre verre, dans un coin calme de votre maison, de votre chambre, autant pour moi, après donc ces 3 jours, prenez dans le verre et vous versez l'eau à terre en formulant, on appelle ça l'hibernation. En Côte d'Ivoire, on ne peut jamais, même si le président de la République est présent, on n'ouvre jamais une séance, un meeting, un événement dans un village, dans un quartier, parce que toujours dans un quartier, il y a le chef du quartier. Dans un village, il y a le chef du village. Même si c'est le meeting du président de la République, le chef, l'autorité traditionnelle, prend toujours l'eau. Il parle à la divinité terre, il parle aux divinités pour dire nous voici, on va organiser tel événement, il faut que tout se passe bien. Après, il verse l'eau là, à terre. Parce que la terre est une divinité. Mais quand on va te dire de faire ça, ah non, c'est pas biblique, oh. Ah non, c'est pas vrai, oh. Eh non, et Jésus a tout payé, oh. Et il a tout payé sur la croix, oh. Oh my God. Je n'ai rien contre l'église, hein. Moi-même, je vous dis, allez à l'église, suivre la parole de Dieu, mais évitez le clonage. Il ne faut pas qu'on... Je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais utiliser. Et évitez, écoutez la parole de Dieu, on vous en... Il parle, c'est des beaux discours, c'est bien. Mais ce n'est pas bien, il ne faut pas voler, il ne faut pas forniquer, c'est très bien. Mais quand il s'agit de la pratique, c'est différent, religion et spiritualité, c'est deux mondes différents. Moi, je parle de la spiritualité. Allez-y, on peut dire c'est la cible. Hein? Tout le monde commence par là, c'est la cible. Allez, la religion est la cible de la spiritualité. Voilà, si vous voulez être des véritables maîtres, quittez la cible. Après la cible, se coupe le partout, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprendrez que vous étiez là-bas, vous étiez vraiment dans une classe trop. En tout cas, là où vous étiez, ça ne peut rien vous avancer. Rien. Rien. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez dans le verre après 3 jours que le verre soit reposé dans un lieu calme de votre chambre. Vous prenez dans l'eau, vous versez à terre en formulant vos 2 vœux. Parce qu'il y en a qui vont chercher à donner 100 vœux. La mère lune ne reçoit que 2. Je veux me marier cette année. Mère lune. Mère lune, avant la prochaine pleine lune, je veux mon mariage. Mère lune. Je veux que mon mari 2 vœux dans le domaine sentimental, c'est tout. Le tout est joué. Maintenant, Natacha, Natuka, maman Natacha est connectée. Maintenant, j'exige 500 partages parce que l'autre jour, je vous avais promis de vous dire comment vous devez faire lorsque vous êtes en face d'un gris-gris, l'œuf cassé, l'argent. Les tissus rouges, escargots, dont on a enroulé avec des fils rouges, le caca qu'on vient déposer. Non. Je veux 500 partages. Il n'y a pas, je vous dis bye bye. Le prochain, je dirais, c'est lundi. Si Dieu le veut bien.
Parce que demain, je suis tellement occupé. Dès 6 heures du matin, je n'ai plus le temps. Jusqu'à 22 heures, je dois manger demain dans le quartier chic de la ville de Abuna Prison. C'est là où je mange demain. Je te donnerai les villes et les nations dont les doigts n'ont pas bâti. Je mange demain. Et quand je mange, il y a le hamburger. Non, pas le hamburger, les camemberts. Après, il y a du fromage, je bois du bon vin. Le vin, là, j'en ai à beaucoup. Grâce à vous. Je n'ai jamais acheté vin. Donc, parce que je sais, il a dit, je te donnerai les villes et les nations. Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas de prière à faire. Je dis seulement, Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Je veux manger quoi? Dieu pourvoira. Facture d'eau là, Dieu pourvoira. Facture de... Dieu pourvoira. C'est tout. C'est comme ça et il pourvoit. Voilà, ça vient. C'est ma soeur de la Suisse qui dit, ah, je ne peux pas aller voir mon papa les mêmes vies. Elle est dans un supermarché. Elle m'a acheté plein de choses. Plein. Hmm? Je vais boire le quoi que ça fait longtemps que j'ai vu ces choses. Elle me dit le lait, je dis je ne bois pas le lait. Elle dit bon, dans ce cas, tu vas prendre ça avec le miel. Hein, papa, un peu de sucre, ça va te donner la force. Je dis merci ma fille. Il y en a plein. Voilà les chocolats. Hein? Je dis ah, papa, on va manger, il faut qu'on lui garde le chocolat. Ouais, chocolat là. Hein? Faut que papa ait du chocolat. Où c'est quoi là, Panama? Dégustation noire, bonne terre, Panama. Ils ont les bonnes choses. Tout ça vient de chez nous. Hein? La France n'a pas de champs de cacao, ou de café. Tout ça vient de chez nous. Eh l'Afrique. Eh l'Afrique, mon Afrique. Chocolat noir Panama. Voilà. 80% de cacao. Ça vient soit de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur, soit du Cameroun. Ou du Ghana. De l'Afrique noire. Mais nous-mêmes, on est là, on n'a pas. Les usines de transformation, rien. Ils nous ont mis dans un système. Mais par la grâce de Dieu, ce cercle ne finira point. Sans que le réveil spirituel ne soit déclenché pour la libération totale de l'Afrique. L'humanité vient de nous. Tout vient de nous. Les premiers habitants de Paris, du Japon, c'était des Noirs. C'est reconnu. C'est nous. C'est nous. Donc tu as la peau noire, maintenant tu veux avoir make-up. Il faut avoir la peau blanche. Non, tu as cloné vraiment. On a mangé ton cerveau. Voici la somme de toutes les couleurs. Dans le noir, il y a le rouge. Il y a le blanc. Le noir devient blanc. Le noir devient jaune. Le noir devient rouge. Le noir devient verdâtre. Le noir devient... Tout est dans le noir. Mais le blanc ne peut jamais devenir noir. Maintenant, tu laisses ça pour aller maintenant et te dire que tu vas devenir blanc. Ah! C'est quoi ça là? Dis-toi fier. Chaque jour quand tu te lèves là, dis-toi fier. Tous ceux qui me rencontrent, corps à corps dit, mais monsieur, vous êtes jeune, alors que j'ai appris le virage. Ouais. Bon, maintenant, regardons le nombre de partages. S'il y a 500 partages, je commence à dire faux. Je donne la recette là. Parce que c'est ce que vous vivez au quotidien, chaque jour. Vous vous levez le matin, on a venu, on a jeté un oiseau mort, on a mis des feux, le fil blanc dedans, soit des courriers, soit des ceci, soit... Non, ne paniquez plus. Ne paniquez plus. S'il n'y a pas 500 partages, bon, on va se dire rendez-vous lundi. Voilà. Le jour où j'aurai 500 partages, je vais parler. Non, maintenant c'est comme ça. S'il n'y a pas 500 partages, il n'y a pas de problème. J'ai l'air parlé. Je regarde le nombre de partages. Voilà, entre temps, Adélaïde. Je dois aller manger, hein, je vous en prie. Parce qu'il ne faut pas qu'on va se mettre au temps. Là. Il est quelle heure là? 21h29. Dieu. Mais j'ai commencé au dîner à 20h30. Donc, dans quelques 3 minutes, je dois quitter. S'il n'y a pas 500 partages, rendez-vous lundi. Adélaïde Douamba, Henri Lede, je suis sur la tête de mes parents, je découvre bébé d'or ce soir. Ah, bébé d'or. Oui, il faut l'utiliser le mardi. C'est une plante qu'on coupe, une plante de Saturne. On coupe dans, chaque samedi. Au matin et le soir, vous faites votre beurre avec d'une puissance incroyable. Une dame m'a dit qu'elle était partie voir une thérapeute, voilà, et déjà c'était le bébé d'or. Elle avait tellement payé, et qui donne le même prix que papa, maman nous donne gratuitement, ailleurs, on paye et tout. Bon, c'est ça. Hein? À quand la reprise des scanners après votre repos? Oui,
Après le 27, je vais vous rappeler ça après le 27. Maintenant, il me faut libérer. J'ai au moins une quarantaine de scanners. Ce soir même, je vais. Il y en a au moins une quinzaine qui sont une quinzaine déjà fait. Maintenant, il faut maintenant envoyer à les Christine. Tout ça là, je dois libérer ça cette nuit. Donc, s'il n'y a pas les 500 batailles, nous ne nous fatiguons pas. L'Ukraine saigne. Dans le Sénégal, avant le 25, vous aurez tout ce qu'il faut. L'encens yod, l'encens qui chasse toute négativité, le Terminator. Et Terminator, c'est la magie, c'est la magie seulement. Le Terminator, l'encens qui détruit toute action de sorcellerie. Et encore quoi là. Donc, en fait, c'est 23 kilos que je vais envoyer. 23 kilos que je vais envoyer au Sénégal. Donc, il y en a même des gens à qui je dois des kits qui sont au Sénégal. Pardon, veuillez me rappeler. Dès lundi, je vous donnerai toutes les modalités, comment ça va se passer. Hein, la correspondante aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Papa Manou. Que le Seigneur vous protège. Merci. Papa, donne la recette. Non. Je veux 500 partages. Si on a au moins 300 partages, je parle. Voilà. Jean-Claude Bonhomme. Papa de cœur, sois béni mon frère. Odile Manga. Voilà, désormais le numéro pendant le direct, si vous voulez me joindre, vous composez le 00237-671-3409-97. Voilà. Ça, c'est désormais le numéro pendant le direct, si vous voulez intervenir. Il y a trop de témoignages. Si, comment on ne va pas finir. Edito, sois mort, que Dieu te bénisse. Au Bénin, les encens sont finis. Oui, vous les aurez avant le 20, avant samedi prochain, voilà, les encens seront disponibles, toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie, voilà, c'est un espace vidéo, Dorian Boussin, voilà, sois béni Dorian, je vous invite au centre, le centre était déjà ouvert, il est opérationnel. Je papounais, j'ai fait le bain du retour à l'envoyeur le mois passé. Ça m'a donné le palu pendant une semaine. C'est une crème. Ah, le palu? Non. Sur ton corps, tu es trop touché, Babal. Bon, c'est pas grave. Après le direct, si. Non, c'est fait tard. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Il faut aussi trouver les ingrédients, bougie noire, l'huile pour faire le retour à l'envoyeur. Bon, laisse. Demain, on va se parler. Si y a. J'ai été victime lors de mes fiançailles. Pourquoi? Un amour, le mot me dit, le nom me dit quelque chose. Victime lors de mes fiançailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Une agression, victime. Ça veut dire quoi, victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, tu t'amours, Xavier, un problème d'amour. Je viens de donner une recette ici, comment l'appeler pour vous aider. Voilà, Chantal Yao, que Dieu te bénisse, ma grande. Elle est à Côte d'Ivoire. Natacha Derival, le lunaire à Paris, oui. Caca devant ma porte, il s'est dit que mes fiançailles, tu as vu. Dieu. Bon, tout, ce n'est pas gâté. Ton fiancé va revenir. Contacte-moi après le direct. Paulin Tala, je crois que j'ai fait. Paulin Tala, il est où à Yaoundé? J'ai fait son scanner, j'ai envoyé. Il y a une dame que je cherche là. Son petit est à Paris depuis. On voit le chef, non, on ne voit pas. Je dois même publier ça. Voilà, aussi l'été, merde. Les fiancés ont été gâtés. Non, ma fille, après le direct, tu m'appelles. Avant la fin de ce mois, les fiancés, alors on va relancer. Quand vous êtes dans des situations pareilles, cherchez le sel Gauguin. Pendant les préparatifs de vos fiançailles, pendant les préparatifs de votre mariage, ne sortez pas de la maison comme si vous croyez que tout est normal. Même dans ta propre famille. Je dis génétique, c'est-à-dire parmi tes soeurs, parmi tes frères, il y en a qui ne sont pas contents de te voir marié. La petite soeur va rester dire comment c'est la grande soeur qui se marie à maman, alors que j'ai bac plus 8. C'est moi qui devais d'abord comprendre. Il y a ça. Le sexe de maman est comme un aéroport. L'utérus, c'est comme un aéroport où chacun de nous est venu atterrir. Comme un avion, l'aéroport est là. Voilà, chacun a son karma. Donc quand tu dois te marier, là, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et moi, va sortir comme ça. Et ma coach, je me marie. Et même chanson. Non. C'est le moment le plus indiqué pour te barricader. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai du mariage. J'ai déjà parlé ça dans
dans l'ancien pacte, mais je viendrai. Quand on doit se marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble. Hortense, je sais, ça sera. Hortense, je crois que tu es en République. Afrique du Sud, voilà, ne t'en fais pas, ça sera réglé. Koulibaly Adjata, que Dieu vous bénisse. Méline Dengue, voilà, bon dong. Lundi, si on ne parle pas, je prendrai la recette pour donner aux membres des élus, aux membres du groupe des élus 2022. Comment décrire un gris-gris? Vous voyez, quelqu'un qui vient de dire que ces chansons, parce qu'on est venu déposer un gros caca hein, devant sa porte, ça a chassé le fiancé. Prochainement, tu vois ça, tu te mets à danser. Tu dis, je connais papa. Papa m'a déjà donné la recette, comment faire? 3 jours après, celui qui a déposé va mourir. C'est tout, on ne perd pas le temps pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse. À lundi, parce qu'il faut que nous atteignions. Il fallait un mois, la page a été créée. Il n'y a pas 5000 abonnés. Ce n'est pas normal. C'est en partageant que nous aurons des abonnés. Donc ça veut dire que ceux-là ont une raison de nous. Notre première page a été piratée. Aujourd'hui, elle n'existe pas. 20 000 abonnés dans l'eau. Le fruit de plus de 5 années de travail. Maintenant, on vous dit de partager, d'aimer la page, vous ne voulez pas. On fait comment? On va rester dans cette situation. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien. Je demande encore aux élus. J'ai publié le rituel. Il ne faut pas en fin d'année que quelqu'un me dise que je vais demander le bilan. Hein? Ton bilan financier, comment? Tu as eu les entrées d'argent? Non, papa, je te sors du groupe et je te rembourse. Tu es un mauvais élève. J'ai donné, tout est précisé. Si quelqu'un a des difficultés de compréhension, tu m'appelles demain matin dès 5h, 6h du matin. Je suis là debout. Je vais te dire, de vivre, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Cette période, on a ça une fois dans l'année. L'argent va te. L'argent, tu vas fuir l'argent. C'est quand l'argent te gifle. Tu décides, ça te gifle. Ça te compte, ça. L'argent va te gifler. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Pardon, j'ai là pour parler. Je m'avais mangé bon. On m'attend, je m'avais tabac. Je m'avais mangé bon chose. Hein? Merci pour tout. C'était Papa Manu de la vie. À lundi, si Dieu le veut bien.